souverain. Oh yes. Car tu es glorieux, Jésus, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour t'adorer. Tu es glorieux, Jésus est digne de régner. Oh yes, l'agneau, tu es souverain. Nous nos cœurs pour t'adorer. L'agneau est souverain. Disons souverain dans les cieux. Souverain dans les cieux. Souverain sur la terre. Souverain dans mon cœur, dis amen. Amen. Souverain dans les cieux. Souverain sur la terre. Souverain dans mon cœur. Amen. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans mon cœur. Amen. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour t'adorer. L'agneau élève ta voix, remercie le Dieu Tout-Puissant, remercie le Père Céleste, rends-lui grâce pour ses bontés dans ta vie tout au long de cette semaine, les bontés, les compassions de Dieu, la miséricorde de Dieu pour toi tout au long de la semaine, rendons-lui grâce pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, rendons-lui grâce parce que nous pouvons exister encore, parce que nous pouvons respirer, nous pouvons nous mouvoir, nous pouvons bouger, nous pouvons donc nous exprimer. Rendons-lui grâce de tout notre cœur ce matin. Rends grâce au Seigneur ton Dieu là où tu es, dans ta maison, quel que soit le lieu où tu es connecté. Rends grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être au Dieu remercié. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. 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 Nous te disons entièrement merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour tes compassions, merci pour ta fidélité. Merci Père pour la protection dont nous sommes l'objet chaque jour et chaque instant. Merci pour la semaine que Seigneur tu nous as donnée depuis Seigneur le dimanche passé jusqu'à ce dimanche. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toute ta bonté. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait et tu fais dans nos vies. Merci pour ta protection, merci parce que tu as gardé nos cœurs, tu as gardé nos vies. Merci parce que avec ta grâce, nous sommes en bonne santé. Nous pouvons parler, nous pouvons bouger, nous pouvons nous mouvoir, nous pouvons respirer, nous pouvons nous exprimer.
Merci Père éternel Dieu pour ta présence, pour ta fidélité qui nous a été, Seigneur, et toujours manifeste, qui nous a accompagnés, qui nous a, ô Dieu, suivis. Merci Seigneur pour ta bonne main que tu as posée sur nous tous, partout où nous sommes. Merci parce que tu as été notre avant-garde, tu as été notre arrière-garde, tu as posé ta main sur nous. Merci parce que ta fidélité qui dure à toujours n'a jamais cessé de se manifester et d'être encore avec nous. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite de Seigneur pouvoir encore bouger, de pouvoir Seigneur ô Dieu nous réveiller chaque jour de la semaine. Merci parce que tu nous as donné la capacité de vaquer à nos occupations. Merci Père éternel Dieu de ce que tu as gardé nos esprits, nos âmes et nos corps. Merci parce que tu as protégé nos cœurs, tu as protégé nos âmes, tu as protégé nos corps par ta grâce et par ta bonté. Seigneur, merci pour le pain quotidien que tu nous as donné chaque jour. Merci pour la nourriture que tu as pourvue à nos besoins. Merci pour les finances dont nous avons eu besoin, que toi, ô Dieu, tu as pourvu. Merci pour ton assistance. Merci pour ta main. Merci pour ta grâce que tu as étendue sur nous. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes hauts faits et pour tous tes bienfaits. Papa, sois remercié, sois béni ce matin, sois exalté, Seigneur notre Dieu, sois glorifié. Merci Père parce que tu nous as gardés et tu nous as préservés des ruses et des tentations de l'ennemi. Tu n'as point permis que nos pieds heurtent contre une pierre. Seigneur, tu as été là avec nous et pour nous en tout temps et à tout moment. C'est pourquoi nous te disons entièrement merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée dans la semaine. Merci pour les matinées de prière. Merci pour la capacité de venir prier que tu as donnée à chacun de nous. Là où nous nous trouvons personnellement, individuellement, de pouvoir nous réveiller et prier. Père, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, ô Dieu, pour tes bienfaits, parce que tes bienfaits sont infinis. Oui, tes bienfaits n'ont point de commencement et n'ont point de fin. Tes bienfaits sont infinis, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour nos esprits, pour nos âmes. Merci pour nos corps. Merci pour mon corps. Merci pour mon corps. Merci Seigneur pour tous mes organes vitaux. Merci pour mon cerveau. Merci pour Seigneur mon cœur, pour mes poumons. Merci pour mes voies respiratoires. Merci pour mon foie, mon pancréas. Merci pour la rate, merci pour mes reins. Merci pour mes muscles, pour mes os, pour mes articulations. Merci pour chaque organe de mon corps. Merci pour les nerfs de mon organisme. Merci pour mes cellules. Merci pour mes os, merci pour mes articulations. Père, je te remercie pour tout mon corps. Je te remercie pour mon âme, pour ma volonté, pour mon intelligence, ma pensée. Je te remercie, Père, ô Dieu, pour mes sentiments. Je te remercie pour mon cœur, pour ma conscience. Je te remercie pour mon intuition. Je te bénis pour mon esprit. Je te bénis pour la grâce de communier avec toi, d'adorer, Seigneur. Manto koloso takabahanta. T'adorer, t'adorer, c'est ce que je veux, Seigneur. Lebra sonte rekotomo shinda kalabawi. Lundi kibrakata mazuru kutu masketa. Papa, merci, ô Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué pour tous tes bienfaits. Mantos kolokoto maria katuzi digiberakatunta. Au nom de Jésus-Christ, tu as prié, j'ai prié, dis amen. Alors, dans l'esprit, nous allons prier. Oui, tu ne vois pas tes frères et sœurs, mais tu es connecté à beaucoup de frères et beaucoup de sœurs dans le monde entier qui sont en train de prier avec nous. Tu vas élever ta voix, tu vas remercier le Seigneur pour la vie de tes frères, de tes sœurs. Tu ne les vois pas, mais ils existent. Tu vas rendre grâce à Dieu pour leur vie, pour ce que Dieu fait dans leur vie, pour ce que Dieu a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il continue de faire dans leur vie chaque jour de leur existence au nom de Jésus. Élevons la voix et prions, rendons grâce à Dieu pour les uns et les autres au nom de Jésus. Excellent Père de grâce et de bonté, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons, Papa. Nous te remercions de tout cœur pour nos frères, pour nos sœurs. Je te bénis pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs qui, Seigneur, sont connectés et sont en train de prier avec nous. Papa, merci parce que je sais qu'ils sont connectés dans le même esprit, le Saint-Esprit. Ils sont connectés avec nous dans le même sang, le sang de Jésus. Ils sont connectés avec nous dans l'unité de l'Esprit. Père, c'est pourquoi en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour leur vie, pour leur cœur, pour leur esprit, âme et corps, pour tout ce que tu as fait dans leur vie, pour tout ce que, Seigneur, tu fais encore dans leur vie, pour ce que tu continues à faire. Merci pour ta grâce sur eux. Merci pour ton amour. Merci pour ta bannière. Merci pour ta protection, pour ta fidélité. Merci pour ta main que tu as posée sur ton peuple, sur tes fils et tes filles. Merci parce que, Papa, tu as étendu ta main sur eux. Papa, je te remercie pour tous les frères. Je te remercie pour toutes les sœurs qui sont
connecté avec nous, qui pendant la semaine étaient en connexion dans la prière. Je te bénis pour leur vie. Je te remercie pour toutes les familles qui étaient connectées, qui sont toujours connectées. Sois béni pour leur vie. Sois remercié parce qu'ils se sont tenus debout pour prier. Ils se sont levés pour prier ensemble avec nous. C'est pourquoi, Père, nous, tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être loué. Sois béni, sois remercié, sois glorifié. Sois élevé, Père, de ce que, Papa, tu l'as fait, ô Dieu. Tu l'as fait, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Sois béni, sois magnifié, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de mes frères, pour la vie de mes sœurs. Merci de ce que, Père, tu nous as fait grâce. Et nous sommes, ô Dieu, oui, encore en capacité de te prier. Merci pour la connexion que tu nous donnes dans l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et cette connexion est dans le sang précieux de Jésus-Christ. Béni sois-tu, excellent Père notre Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Mantariba sonto loto korobaka redo sokoto ikabarakatus adembrondo skoteria ludiki barakatus andeke barakatus kalebara loto kuma kalaba sente loto kuma rakata. Tu vas encore élever la voix. Et la Bible dans 1 Pierre 1 au verset donc 23, il dit: puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas remercier le Père de ce qu'il t'a régénéré, non pas avec la semence corruptible, la semence qui peut se détruire, mais il t'a régénéré avec la semence vivante, permanente, incorruptible de la parole de Dieu. Et c'est à cause de cette régénération que tu es né de nouveau, que tu as la nature justice de Dieu en toi, que tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Cette parole est puissante. Il dit: tu as été régénéré. Dieu a détruit les gènes de Satan, les gènes du péché en toi, et il a mis les gènes de la vie divine en toi par la parole de, par la sémence de la parole de Dieu qui est vivante, permanente, incorruptible. Rendons grâce à Dieu pour nous tous, notre régénération. C'est un miracle, c'est une grande œuvre que Dieu a faite dans notre vie. Excellent Père de grâce, ce matin, je te bénis pour ma régénération. Tu m'as régénéré, Papa. Tu as détruit les gènes du péché dans mon cœur. Dans mon esprit, tu as détruit les gènes des ténèbres. Tu as détruit les gènes du péché dans nos cœurs, dans nos esprits à mes corps. Tu as anéanti les gènes du péché. Tu les as détruits, Seigneur, parce que autrefois nous possédions les gènes du péché, les gènes, ô Dieu, du péché, les gènes de la maladie, les gènes de la malédiction, les gènes de la pauvreté, les gènes de la misère, les gènes, ô Dieu Tout-Puissant, qui rendaient notre corps fragile et faible, qui nous rendaient faibles, esclaves de Satan. Les gènes de l'esclavage étaient, éternel Dieu, Seigneur, en chacun de nous. Mais par la grâce de Dieu, tu nous as régénérés, non pas une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, vivante et permanente de la parole de Dieu. Père, c'est pourquoi ce matin, nous te bénissons pour notre régénération. Je te remercie de m'avoir régénéré. Je te remercie d'avoir régénéré mon frère. Mante koskalabare tokoskinda. Tu m'as régénéré, Papa. Tu as mis en moi les gènes de la nature divine, de la vie éternelle, de la vie Zoé. À cause de cela, Père, mon frère et ma sœur, nous sommes participants de la nature divine. Merci, Père éternel Dieu. Mantos kilabarakatosa, brindo sotoria makatozo kotorokoto, ibalakatamaso, benteria kotamasheta, mandulu kutuma kalabase, zondo brokoto boskotorokoto, jalabarakato, zonto kebrakato mazenta, balutu kumaketeribasa, lute kebrente, skorabadus kotolokoto, jilabadakabaranto, zonto kotoroboto, birigadabarasonta, lito brokotomozo, ebagadalabasente, lotoko makatabaradia, Lebrondos kota kabarandoski tobrote kerekotondo jida bakatoroboso paroske te guido rasketa makondeshkiraba. Oh, gloire à Dieu, nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés avec la vie divine. La parole de Dieu nous a régénérés. Et la parole de Dieu est la semence vivante, incorruptible, permanente. C'est pourquoi la justice de Dieu en nous, la vie divine en nous, est une vie qui possède la vie de Dieu, est une nature qui possède la vie de Dieu, est une nature permanente, incorruptible, manto colobo santa, indestructible par qui que ce soit, quoi que ce soit. Père, je te bénis de m'avoir régénéré par ta grâce et par ta bonté au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oui.
t'adorer, ô Seigneur. Oui, si je vissais pour t'aimer et t'adorer. Adorons la présence de Dieu. T'adorer, ô Seigneur. Si je vissais pour t'aimer et t'adorer. Oui, adorons Dieu, t'adorer, ô Seigneur. Si je vissais pour t'aimer et t'adorer, ô Seigneur. Alléluia, Jésus. Si je vissais pour t'aimer et t'adorer. Adorons, adorons, t'adorer, ô Seigneur. Si je vissais pour t'aimer et t'adorer. Disons-le, adorons Dieu, t'adorer. T'adorer, ô Seigneur. Oh Jésus. Ah, Saint-Esprit. Matarabasanderiakata. Adorons le Seigneur. Adorons-le, adorons-le. Oui, Père, nous adorons ta présence ce matin. Nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Père. Nous adorons ta présence. Nous t'adorons parce que tu es saint, Papa. Nous t'adorons parce que tu es le saint des saints. Nous t'adorons parce que tu es saint. Nous t'adorons parce que tu es bon, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es miséricordieux. Nous t'adorons parce que tu es compatissant. Nous t'adorons parce que tu es lent à la colère. Nous t'adorons parce que tu es présent. Nous t'adorons parce que tu es fidèle, Papa. Nous t'adorons parce que tu es là en personne. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu fidèle, Papa. Tu es miséricordieux. Nous t'adorons parce que tu es bienveillant, Papa. Tu es l'éternel bon et compatissant. Tu es le Dieu juste, Seigneur. Tu es le Père des lumières. C'est pourquoi nous t'adorons. Nous t'adorons parce qu'en toi, il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Nous t'adorons parce que tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Tu es la lumière, Père éternel. Tu es la lumière inaccessible. Tu es la lumière glorieuse. Nous t'adorons parce que tu es majestueux. Nous t'adorons parce que tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es glorieux. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, notre Père. Nous t'adorons, Père éternel Dieu. Nous t'adorons ce matin, Père créateur du ciel. Créateur de la mer, de tout ce qui se trouve et de la terre. Nous t'adorons parce que tu es le Seigneur de toute la terre. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu souverainement élevé. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu qui ne peut être sondé. Tu es le Dieu incontournable. 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 On ne peut pas te contourner et vivre dans la paix. Tu es le Dieu incontournable. Tu es le Dieu dont on ne peut pas se passer. Tu es le Dieu vivant et tu es le Dieu véritable.
Tu es le Dieu incontournable. Tu es le Dieu insondable. Tu es le Dieu insurmontable. Tu es le Dieu invincible. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu inébranlable, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, prosterné devant ta face, Père éternel, nous t'adorons ce matin. Parce que tu es amour, Papa. Parce que tu es amour, Papa. Parce que tu es grâce. Parce que tu es compassion. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de compassion et de miséricorde. C'est pourquoi ce matin, Père éternel Dieu, prosterne devant ta face. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous magnifions ta présence. Nous adorons ta présence. Nous adorons ta présence. Nous adorons ta présence. Elle est tout en nous. Elle est tout pour nous. Elle est tout pour nous, Seigneur. Elle est tout en nous, Seigneur. Oui, 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 tout en toi est beauté, Seigneur. Tout en toi est glorieux. Tout en toi est merveille pour nous, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Nous reconnaissons que tout en toi nous éblouit et nous épate. Tu es admirable. Tu es admirable. Tu es le Père éternel. Tu es le conseiller. Nous t'adorons, Seigneur. Bantos koloboroto koboshita. Baroto kotomo kotoriana katorabaza. Tout en toi est glorieux, Seigneur. Koma chate marata koza. Adore le Seigneur là où tu es. Donne-lui l'adoration en ce premier jour de la semaine. Adore-le de tout ton cœur. Le Dieu qui te donne une nouvelle semaine. Le Dieu qui te donne une semaine nouvelle. Continue à l'adorer. Adore-le, mon frère, ma soeur. Mantori Ascota Labara. Oui, tout en lui est merveilleux. Tout en lui est bon. Tout en lui est saint, est juste, est puissant. Tout en lui est véritable. Rotoskolaba Santa. Rotokorokoshkada. Rotokoskotomra Katarabasa. Oh yes, Seigneur. Tout en toi est merveilleux. Pour moi, tout en toi, tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Disons en lui tout en toi. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Oui, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est véritable. Mon frère et ma sœur, il a fait de toi sa maison, son habitation et sa demeure. Il est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Il est venu dans sa présence habiter en toi. C'est pourquoi tu vas élever la voix là où tu es. Et tu vas le bénir de ce que lui, le Dieu grand, le Dieu tout suffisant et tout puissant, le Dieu que les cieux, la terre, la mer ne peut pas contenir. Il t'a fait la grâce, le bonheur de venir habiter en toi par son Saint-Esprit. Il a envoyé sa présence même en toi. Il est venu en personne en toi par le Saint-Esprit. Et il a fait de toi sa demeure, son temple et sa maison. Bénis-le donc ce matin. Élevons la voix, remercions-le d'avoir fait de nous sa maison, son temple, son habitation. De ce qu'il est venu lui-même en personne
habiter en nous et demeurer en nous par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui donne la présence même de Dieu à tout homme. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons ce matin parce que toi le Dieu glorieux, toi le Dieu Seigneur, toi le Dieu souverain, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu véritable, toi le Dieu que les cieux, la terre, la mer ne peuvent contenir. Tu m'as fait la grâce, tu m'as fait le privilège, tu m'as fait l'honneur de faire de moi ta maison, de faire de moi ton temple, de faire de moi ton habitation, de faire de moi ta demeure. À cause de cela, Père, tu es venu toi-même en personne habiter dans mon cœur. Tu es venu avec ton Fils Jésus, par le Saint-Esprit, demeurer dans mon cœur, dans mon esprit, à mes corps. Tu as fait de moi ta maison, tu as fait de moi ton temple, tu as fait de moi ta demeure, tu as fait de mon frère et de ma sœur le temple vivant du Dieu vivant, la demeure éternelle de toi-même. Merci de ce que, Père, tu as fait de nous ta maison. Merci pour ta présence, pour ta réalité qui est en nous, Seigneur. Tu as dit par notre Seigneur Jésus que toi et ton... Il a dit, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez chacun de mes disciples. Oui, par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu avec le Père pour demeurer en chacun de nous. Glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons de ce que tu es en moi, tu es dans mon frère, tu es dans ma sœur, tu es en chacun de nous, tu es dans l'Église. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour la présence du Père, pour la présence de Jésus-Christ, que toi seul nous donne, nous manifeste, pour la présence divine que tu nous apportes. Saint-Esprit, nous te bénissons ce matin, parce que c'est toi qui nous fais connaître la réalité, l'expérience, la vitalité de la présence de Dieu. Ô Saint-Esprit, ce matin, je te suis reconnaissant de ce que, à mon frère, à ma sœur, tu donnes la réalité de la présence de Dieu. Tu donnes l'expérience de la présence de Dieu. Tu manifestes la réalité de la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta présence en chacun de nous par le Saint-Esprit. Merci parce que tu as fait de nous les porteurs et les transporteurs de ta présence. Bénis le Seigneur de ce qu'il a fait de toi le porteur de sa présence et le transporteur de la présence de Dieu. Père, je te remercie. Je suis porteur de ta présence. Je porte en moi la présence de Dieu. Je transporte en moi la présence de Dieu. La présence de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en moi. Mantolomosita, retokotoroboto, brindale katalaba, boshakalamade, bontokosilabata, retokozokoroto, ibrandelebosu, mantekelebosuta. Bénis la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit en toi. Bénis le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu en toi. Il est la puissance de Dieu. Il est la gloire de Dieu en toi. Élevons la voix ensemble. Bénissons le Saint-Esprit parce que non seulement il nous a donné la présence de Dieu, mais il nous a donné la puissance de Dieu. Et il nous a donné aussi la gloire de Dieu. Rends grâce au Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, présence divine, nous te bénissons de ce que Saint-Esprit, notre Dieu, notre Seigneur, toi, ô Dieu, oui, Saint-Esprit, tu nous as donné la présence divine. Tu nous as aussi donné la puissance de Dieu. Tu nous as aussi donné la gloire de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu en nous. C'est la puissance de Dieu en nous. C'est la gloire de Dieu en nous. Tu n'as plus besoin de chercher la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu hors de toi. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en moi, c'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu en nous. Père, c'est pourquoi ce matin, je te bénis, Papa, de ce que le Saint-Esprit en moi, c'est la révélation de ta présence en moi. C'est la révélation de ta puissance en moi. C'est la révélation de ta gloire en moi. Banto solo koto, riba kalabase, brondis kalabate, radulugudu maske, manto mori katayaba, redo sokoto di, rabakatu zudumaka, ebrekete meze, zulugudu maske. Mandulu kutuma lakato, rekotomozo, libakata labaze, randu sukutulumake, ibradolomoso,
Gambrondoski talabade, ratukutu malakata, iborokotomose, jilabakate, rodo sokoto diande, diande kabarado, diande kabarado, diande kabarado, diande kabarado, lute kebrakatamaza, mon frère, ma soeur, bénis le Saint-Esprit qui demeure en toi, qui habite en toi et qui t'a donné ce qu'on appelle la présence de Dieu. Dieu en personne en toi, c'est ça la présence de Dieu. Il t'a donné la puissance de Dieu, la capacité qui produit des changements, qui produit des résultats dans ta vie. Il t'a donné la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'honneur de Dieu, la dignité de Dieu, l'honneur de Dieu, la dignité de Dieu. Le Saint-Esprit t'a donné cela. Prions ensemble, bénissons le Saint-Esprit, parce qu'en lui, nous avons la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Je n'ai plus besoin, tu n'as plus besoin de chercher la présence de Dieu hors de toi. Tu n'as plus besoin de chercher la puissance de Dieu hors de toi, ni la gloire de Dieu hors de toi. Elle est en toi là où tu es. Tu n'as pas besoin de la ressentir. Elle est en toi parce que le Seigneur a dit dans sa parole que la présence de Dieu demeure en toi. Elle est en toi. Accepte la vérité de la présence de Dieu et tu vas expérimenter la réalité de la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous acceptons que tu es en nous, que tu es en nous, que tu nous donnes la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Nous déclarons, nous reconnaissons, nous acceptons la vérité de ta présence en nous, de ta personne en nous, la vérité de ta puissance en nous, de ta gloire en nous. Et nous croyons que nous expérimentons la réalité de cette présence, de cette puissance, de cette gloire. Bato kalabaza, ronto sunakaba, ibrokotomose, jibale bababa, rototokodo, ibereketemaza, blunte kelebata, lute kelemasa. Reconnais que le Saint-Esprit en personne est lui-même en toi. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas un objet. Il est une personne réelle. Il est Dieu en personne dans ta vie. Il est le Dieu puissant en toi, mon frère, ma soeur. Et il est venu en toi. Et il a déposé en toi la vérité de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, pour que tu expérimentes la réalité de cette présence, de cette puissance, de cette gloire. Mandeskolaba, retukalabase, rotokosokoto, libakalabaza. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, renier le Saint-Esprit, c'est renier la présence de Dieu en toi. C'est renier la puissance de Dieu en toi. C'est renier la gloire de Dieu en toi. Bénis le Saint-Esprit parce que tu es sa demeure, tu es sa maison, tu es son habitation, tu es son temple, tu es le lieu où sur la terre le Saint-Esprit demeure. Merci Saint-Esprit parce que tu es en moi, Seigneur. Je suis ton temple, je suis ta demeure. Sois béni Saint-Esprit, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Mantalabase, lodo sokoto robaka, rendo sokoto. Reste connecté mon frère et ma soeur, reste connecté à la prière. Lendo skalaba, reto kotoromoso, librantaskota, lekoromasa. Écoute mon frère, ma soeur, dans Jean chapitre 14, au verset 10, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, il dit plutôt à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi, qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et croyez du moins à cause de ses œuvres. Oui, et dans Colossiens 1, verset 27, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges a été maintenant manifesté. Et ce mystère, Dieu a voulu que toi et moi, nous puissions connaître la richesse glorieuse de ce mystère qui est Christ en nous, l'espérant de la gloire. Il y a deux passages que je t'ai lus. Dans Jean 14, 10, Jésus dit, le Père demeure en moi. Et également, dans Colossiens 1, verset 27, il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Écoute-moi, mon frère, nous sommes en train de prier en nous appuyant sur la réalité du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en toi, c'est la personne même de Dieu en toi.
Dieu est venu en personne être en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il est le dépositaire de la présence de Dieu. Il est le dépositaire de ce qu'on appelle la présence de Dieu. C'est-à-dire Dieu en personne qui est là. C'est ça, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit te donne d'expérimenter Dieu en personne dans ton propre cœur. Le Saint-Esprit est le dépositaire de la puissance de Dieu. Il est le dépositaire de la gloire de Dieu. C'est pourquoi là où il est, la présence, la puissance, la gloire de Dieu sont déjà là. Tu n'as pas besoin de chercher ça. Elle est déjà là et c'est pourquoi tu peux l'expérimenter, tu peux vivre, expérimenter la présence, la puissance et la gloire de Dieu. Mais ce pourquoi nous allons prier, c'est que quand le Saint-Esprit est venu en toi, quelque chose que le Seigneur Jésus a déclaré, quelque chose que Paul a déclaré est devenu réel en toi. Jésus a dit le Père qui demeure en moi et Paul dit Christ en nous. Le Saint-Esprit seul est venu réaliser ces deux mystères-là en toi. Le mystère du Père en toi et le mystère de Christ en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui est venu réaliser ça. C'est pourquoi par le Saint-Esprit en toi, toi et moi, nous pouvons aussi dire le Père qui demeure en nous et le Christ en nous. Élève ta voix et bénis le Père, bénis le Saint-Esprit de ce que lorsqu'il est venu en toi, il a amené la réalité du Père en toi, la réalité de Christ en toi. Désormais, toi aussi, tu peux dire le Père demeure en toi et le Christ demeure en toi. Élève ta voix et parle au Seigneur. Mantalabasa, l'otokorobosinta le katalaba, glorieux Saint-Esprit, je te bénis ce matin parce que lorsque tu es venu en moi, lorsque tu as fait de moi ton temple, ta demeure, ton habitation, tu m'as fait la grâce, comme le Seigneur Jésus, de dire désormais que le Père demeure en moi, de dire désormais que Christ est en moi, l'espérance de la gloire, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, de dire comme le Seigneur Jésus lui-même a dit que le Père qui demeure en moi, c'est lui qui agit, c'est lui qui opère. Le Christ en moi, c'est lui qui opère. Mantolo kosotoromaka, rendu sulukutumaka, lebrakatumazelakato, lekotoroboso, randu sukutubalakate, mandula katalabase, lotu kalabaza. Les deux réalités, les deux mystères de Dieu le Père dans l'homme, de Christ le mystère de Dieu dans l'homme, c'est accompli par le Saint-Esprit en toi. Désormais, tu peux déclarer que par le Saint-Esprit en toi, le Père est en toi. Le Saint-Esprit est le Père qui demeure en toi. Le Saint-Esprit est le Christ qui vit en toi. Le Saint-Esprit est le Père qui demeure en toi. Il est le Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi reconnaître le Saint-Esprit en toi, c'est reconnaître le Père qui demeure en toi. C'est reconnaître que Jésus qui était sur la terre est maintenant en toi dans l'esprit. C'est pourquoi il est venu dans l'identité de Christ. Mandolo sokotorobaka, radulu kutumakalabase, bronto sokotodi antalaba, rodi bakalabazente, mandulu kutumalakata, rodo sokotodiabo, rabi babolobolobolosketi, brokoto moskilabakata. Ce matin, papa, je déclare et je décrète, je proclame que oui, éternel Père, le Père demeure en moi. Père, tu habites en moi. Saint-Esprit de Dieu, tu m'as donné la réalité. Oui, tu m'as donné de connaître le Père en moi. Tu m'as donné de connaître Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi ce matin, je bénis ta présence. Je te bénis, Saint-Esprit, de ce que avec toi, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon esprit, dans ma vie, Seigneur, je peux affirmer, je peux déclarer sans me tromper, avec certitude, que le Père demeure en moi. Le Père qui est en moi, le Père est en moi, le Christ est en moi, le Père est en moi, le Christ est en moi, le Père est en moi. Je te bénis, Seigneur, de ce que ta présence, Père, est en moi. Parce que le Seigneur Jésus a dit que moi et mon Père, nous viendrons. Et nous ferons notre demeure chez vous. Nous ferons notre demeure chez vous. Merci Saint-Esprit. Parce que dans ce premier jour de la semaine, oh, tu nous donnes encore de nous rappeler que tu as fait de nous la demeure du Père, la demeure de Christ Jésus, le Fils béni de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la réalité du Père, pour la réalité du Fils dans nos cœurs. Mantos kolobarata, le toroto komodi, la disco prateza, zudukutulumaka, et bereket. Mesunta, liberate que modo, chalabadele bosante, lute que bracandos kilaba, rodis capandos, que peteria tunte que baata, luti qui macatolo boto, late que mescuta, reboto totoriate calaba, lundes que bratus calabada, otolomos quinta labawa, becotoroboso, jalabatara catonta, brequete mesqueta,
Manda Kabarasa. Orokoto Machanda Labara. Dans Jean 14, le Seigneur Jésus dit, au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui, le Père de grâce, le Saint-Esprit est venu en nous parce que Jésus a prié le Père. Et le Père nous a donné le Saint-Esprit. Mais regardez, il dit le Saint-Esprit va venir en toi comme le consolateur. Le mot consolateur signifie celui qui est envoyé pour être avec toi. Pour être avec toi. Pour être à tes côtés. Pour être en toi, auprès de toi, afin de te soutenir, afin de t'aider, afin de te conseiller, afin de te fortifier. Il est venu pour être à côté de toi afin d'intercéder à travers toi, afin d'être ton avocat, ton défenseur et ton protecteur, afin d'être celui qui t'assiste, c'est-à-dire comme un coach, un mentor sur ta vie, afin d'être un consolateur, un conforteur, quelqu'un qui vient te conforter, t'encourager. Le Saint-Esprit est venu en tant que consolateur. Cela veut dire quoi? Il est venu pour être le Dieu vivant à côté de nous, auprès de nous et en nous, afin de pouvoir nous aider, nous soutenir, nous conseiller, nous fortifier, afin de pouvoir intercéder à travers nous, comme dit Romains 8, 26, afin de pouvoir être notre avocat, défenseur, protecteur, afin de pouvoir être notre assistant, c'est-à-dire notre coach, notre mentor, notre instructeur, notre directeur, afin de pouvoir nous conforter, nous encourager et nous donner la force d'aller de l'avant. Alors tu vas élever la voix, tu vas bénir le Saint-Esprit, parce que sur la terre, il est le Dieu vivant qui est avec toi, qui est en toi, qui est auprès de toi, qui est avec toi, à côté de toi sur la terre. Il est avec toi sur la terre, en étant en toi, bien sûr. Il est là pour te fortifier, t'aider, pour te conseiller, pour te fortifier, pour être ton avocat, ton défenseur, pour t'assister, pour te conforter, pour intercéder à travers toi. Remercie le Saint-Esprit, parce qu'il est le Dieu vivant qui est en toi et avec toi sur la terre. Jésus a dit, il s'en va. Il sera là-haut. Le Père est là-haut. Le Fils est là-haut. Mais c'est le Saint-Esprit qui est avec toi sur la terre. Le Saint-Esprit qui est en toi sur la terre. C'est lui le Dieu vivant qui est avec toi sur la terre. Le Dieu qui est avec toi présentement sur la terre. C'est la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi présentement, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Négliger le Saint-Esprit, c'est négliger la dispensation dans laquelle nous sommes. Élève la voix et dis au Saint-Esprit que tu es d'accord, que tu acceptes que lui, il soit le consolateur, le Dieu qui est avec toi et en toi sur la terre. Qu'il soit celui qui t'aide, qui te soutient, ton conseiller, ton fortificateur, ton avocat, ton assistant, ton protecteur. Qu'il soit celui-là qui est l'intercesseur divin en toi. Que tu es d'accord avec ça. Dis au Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien. Sois le consolateur qui m'aide à aller de l'avant, qui m'aide à progresser. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est le Saint-Esprit seul qui peut rendre le Père et le Fils réels en toi. Élève ta voix et prie. Seigneur Saint-Esprit, ce matin, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Parce que tu es le consolateur que le Père nous a donné au nom de Jésus-Christ. Tu es venu pour être avec nous, pour être en nous. Tu es le Dieu vivant qui est auprès de nous, qui est en nous, qui est avec nous, qui se tient à nos côtés. Tu es là, Saint-Esprit, pour pouvoir nous aider. Tu es là, Saint-Esprit, pour pouvoir nous soutenir. Tu es là, Saint-Esprit, pour pouvoir, Saint-Esprit, nous conseiller. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous fortifier. Tu es là, Saint-Esprit, pour intercéder à travers nous. L'intercession adéquate. Tu es là, Saint-Esprit, pour être notre avocat,
notre défenseur, notre protecteur, dans les intérêts de Jésus-Christ, dans les intérêts de la parole de Dieu. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous assister, pour nous coacher, pour être notre mentor, notre coach, celui qui nous instruit, celui qui nous donne les directives, les instructions, les orientations à suivre. Tu es notre assistant. Tu es celui qui est là pour, Saint-Esprit de Dieu, nous aider totalement. Tu es auprès de nous. Oui, Saint-Esprit, non pas comme notre serviteur, mais comme notre maître, notre Seigneur, celui qui nous instruit, qui nous donne les directives, les orientations. Saint-Esprit, tu es là également pour, oh Dieu, nous conforter, nous consoler, nous conforter, nous encourager à aller de l'avant. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te bénissons. Tu es mon consolateur. Tu es le consolateur de mon frère, de ma soeur, de ton peuple. Nous avons besoin plus que jamais de ta consolation. Nous avons besoin plus que jamais de ta, que Saint-Esprit, tu te tiennes toujours à nos côtés, auprès de nous. Nous avons besoin que non seulement tu sois en nous et avec nous, auprès de nous, mais nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, de ton conseil, de ta force, de ton intercession. Nous avons besoin de ta protection, de ta défense, de ta sécurité. Nous avons besoin, oh Saint-Esprit, oui, Esprit de Dieu, de ton assistance, de ton assistance, de ton coaching, de ton mentorship. Nous avons besoin de tes instructions, de tes orientations. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin, oui Saint-Esprit, que tu nous confortes, que tu nous consoles, que tu nous soutiennes dans les temps difficiles. Si cabrotalaba, lete ke malada, libonto soto, ibarate keba, utulukutu maza, brendu sulukutu, jale kete malakata, borosokoto malaka, ebronto sokoto, dimbratalabate, brotoko sokoto, imakalabase, mandulukutu malakata, ibarakata masa, zundele bosoto, rakoto mozita, balagadabase, lotoko sontolibakata, ibarakata mazuta, librondo sokoto dianteleba, rotukunumakata. Quand on dit, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit est le consolateur, cela veut dire que c'est lui qui est en toi, qui est à tes côtés, qui est auprès de toi. C'est lui, le Dieu vivant, qui est avec toi, auprès de toi et en toi. Et c'est lui qui t'aide. C'est lui ton aide. C'est lui ton soutien, ton conseiller, ton avocat. Il est ta force. Il est ton, le divin intercesseur. Il est ton assistance. Il est ton conforteur. C'est ça, le consolateur. C'est pourquoi tu vas prier que le Saint-Esprit manifeste son ministère de consolateur dans ta vie de manière profonde. Tu vas prier que la consolation du Saint-Esprit soit réelle dans ta famille, dans ta maison. Au nom de Jésus, prions toujours. Limbrandoskata. Continue à prier, mon frère, que la consolation de l'Esprit soit réelle, soit réelle, soit réelle dans ta vie personnelle, dans ta famille, mandala sota, dans ta marche spirituelle. Rento sokotobara, ibarakatamaze, lutukumakatala, lebrotokotorokoto, radibasate, mandulukutumaza, ibrakatamaza, zilamanakato, londo sotoriadi, rateke madusa, kalabadore ketomakatala katulukutumaka, ekete brisaba, lotikamasa. Continue à prier, mon frère. Manto sokolokata, ne relâche pas dans la prière. Continue à prier, ma soeur. Ribonto solokoto, ibalagadabase, manta kalabase, ronto sokoto, ibalakatamaza, lute kelemata, kolobosota, rento sokoto di malakata, lute kelemata. Continue à prier afin que la consolation, l'assistance du Saint-Esprit soit sur son église en cette journée de dimanche, partout où les gens vont faire leur culte, que ce soit à un, que ce soit à deux, que ce soit à trois personnes, que ce soit en famille, que ce soit en connexion sur les réseaux sociaux, que la consolation du Saint-Esprit, le soutien de l'Esprit, l'aide du Saint-Esprit, le conseil, la force, la grâce, la manifestation du Saint-Esprit soit réelle auprès de son église ce matin, en cette journée. Prie, mon frère, ma soeur. Libranta sota, reto kotoromoto, ribalagadabala suta, berekete masuta, rato kotorokoto, libanda, libanda, libata, koto balakataba, ibabara suta.
Belegede maskata, rutukutuku makata, ibaragada masé, lonto sokoto, ratoko sokorokoto, ribanta labase, brokoto mosko, sans l'assistance du Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et quand il va venir, il va avoir des changements, il va avoir des bouleversements. Prie maintenant que la consolation du Saint-Esprit soit réelle, soit manifeste dans nos cultes, dans les rassemblements en famille. Mantolo soto, rekutu malakata, ibarakata maza, rundu sukuturu maka, ebrekete mezuta, ebrekete mezuta, ebrekete mezuta, ebrekete mezuta, ebrekete mezuta, zulugudu maska, zulugudu maska, zulugudu maska, zulugudu maska, ratoko tuma makatari akutu, kimakatu kutukunu kutu barakata, zeto prakati zetetetete pa, parokoto toto toto makata, lima mama 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 sete bebe 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 isa, prakina koso kotoro, ngandala basita, libaraka. Katamazutu, retetete makatara, rutu kutu kutu makatala kata, zure kete meze kete kete kete, lutu tutu makatala katala kata, lada sokoto prakataza, ibere kete meskete riato, rate kete kete kete, lunda gabara katamasa, zutu kutu kutu rukata, rate kete kete ba, ibala katamasa. Malagada masketa, rokoto moskita, rakata maskita, rakata maskita, rakata maskita, rakata masita, rakata masita, rakata maskita, rakata maskita, rakata maskita, rakata maskita, ronto sokoto rokoto, ribakala baska. Faut prier mon frère, ma soeur, que l'assistance du Saint-Esprit visite les malades dans les hôpitaux, dans les maisons. Oui, visite les malades. Lentu kalabasa, korama seketeri amata, ronto totoro baka. Libakalabase, glorieux Saint-Esprit, que ta consolation, que ton aide, que ta présence, que ta puissance, que ton feu, que ta grâce visite les malades, tous ceux qui ont été infectés, tous ceux qui souffrent malades d'une quelconque maladie. Mante sous la table, les cobrasikatonda, perosi katalaba, redoulou kutumakata, ibarakata mazite, retoto. La baba baba baba, deke su papa papa, retu makata labada, libarakata mazunto, retotoko makata labata, dumbrete, ruskete kereba, rototoroto, rataka makatuzu, zekete kemaka, ibarakata mazute rebebebebe, barasokoto dianta laba, rebantokus kataka bakatusa, belekete maskata laba, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je me confie en toi. Tu es mon puissant sauveur. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi, ô Jésus. Tu es mon puissant sauveur. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi, oh yes, tu es mon puissant sauveur. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Chante-le de tout ton cœur, mets ton cœur. Je me confie en toi, oh yes. Tu es mon puissant sauveur. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Ma destinée
est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre. Oh yes. Ma bonne santé est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Ma protection est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Oui, nous sommes dans ses mains qui sont sûres. C'est pourquoi nous nous confions en lui seul. Là où tu es, sache que Dieu te fait grâce. Ton avenir, ta vie est dans ses mains sûres. Continue à te confier dans les sûres mains du Seigneur. Et laisse-le manifester toujours sa grâce dans ton cœur et dans ta vie au nom de Jésus. Que la main du Seigneur vous fortifie, que sa grâce vous renouvelle au nom puissant de Jésus. Alors bon culte ce matin, vous qui serez connectés avec nous, vous qui allez faire vos cultes en connexion avec vos églises locales, que la grâce de Dieu vous assiste au nom de Jésus. Alors tout à l'heure, nous aussi nous allons nous retrouver ici pour le culte à partir de 7h30. Nous allons nous retrouver pour le culte avec l'adoration et ensuite la prière et nous pourrons partager la parole de Dieu. Donc soyez connectés, préparez-vous, soyez connectés. Nous avons donc la grâce d'être tranquilles dans nos maisons pour suivre donc ce culte-là. Disposez-vous, ne vous laissez pas distraire par l'environnement de votre maison, mais soyez connectés, soyez connectés. Le Saint-Esprit est en vous et avec vous là-bas. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits.